Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oleana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois de février 2022 pour le signe des balances, puisque vous étiez les derniers le mois dernier, bien évidemment. Donc vous voyez, tout est prêt, les signes sont prêts, impeccable. Donc mes amis balance, je vais vous faire comme d'habitude votre tirage général à 15 cartes avec Monsieur le jeu 32, donc un tirage à 15 cartes. Votre tirage sentimental se fera avec Monsieur l'oracle des miroirs, un tirage du destin. Je rajouterai un petit complément d'information avec Monsieur l'oracle de la Sibylle. Et bien évidemment, mes amis balance, je vais vous mettre ça là pour pas que je me trompe de signe. On fera un petit complément d'information avec Monsieur Papus. Allez, c'est parti mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Mes amis, balance. Allez, on y va. On va regarder ce qui va se passer pour ce mois de février 2022. Allez. Oh, bah j'ai la dame de trèfle qui s'est retournée. Donc c'est vous, hein, mes amis, balance. Ma consultante, mon consultant. Ou éventuellement votre futur partenaire masculin, féminin. Ou éventuellement votre partenaire si vous êtes déjà accompagné. Allez, on y go. C'est parti pour ce mois de février. Oh, on nous parle d'inattendu pour ce mois de février, mes amis balance, pour ce mois de février 2022. Donc, de l'inattendu qui se fera très rapidement. Donc, peut-être que vous n'allez peut-être pas vous y attendre concernant une situation qui vous sera favorable pour vous. Alors, je ne vais pas regarder derrière les cartes, ça ne sert à rien puisque ce sont généralement des cartes. Donc, le 8 de cœur, c'est une carte positive. Le 10 de pique, vous connaissez un petit peu, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le jeu de 32, la signification, c'est la carte de la rapidité. Donc là, on va dire peut-être pour ce début de mois de février 2022, en tous les cas, tout ce qui était peut-être bloqué ou vous étiez peut-être contrarié concernant une situation, que ce soit d'ordre sentimental, financier, professionnel, eh bien, il y a de l'inattendu dans l'air et des bonnes nouvelles. Bon, ben ça commence plutôt pas mal. Hein? Allez, on y go, c'est parti. Tirage à 15 cartes. Donc, 3 au milieu. Peut-être que je décale un petit peu ma table pour que vous puissiez... J'ai toujours peur parce que comme mon téléphone, il y a le support dessus... Et si je vais trop loin avec le mur, c'est le mur qui tient en fait. Et à un moment donné, ben, ça peut tomber. Est-ce que je peux décaler encore un petit peu? Oui, je sais, je fais ma chiante, j'aurais dû faire ça avant. Allez, les trois cartes sont là. 1, 2, donc 6 en haut, 6 en bas. Hein. De toute façon, je vous les montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, on va le décaler là. Comme ça va être plus facile pour les poser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bon? Peut-être décaler celle-là un petit peu pour que vous puissiez voir bien là. Ouais, yes. Impeccable. C'est bon? C'est ok. Allez-y, c'est parti. Mon kiki. Hop. Alors, d'autres decks. Signature, mes amis balance. Peut-être de... Oh, signature concernant de l'argent qui pourrait vous arriver pour ce mois de février 2022. Donc, si vous êtes dans l'attente concernant un prêt immobilier... Concernant une somme d'argent, vous allez devoir signer en tous les cas. On a vu une très très belle coupe qui annonçait l'inattendu. En tous les cas, on vous dit que c'est bien pour vous, mes amis balance, que ce soit vous, mon consultant ou ma consultante balance, ou éventuellement votre partenaire. Et on nous parlerait peut-être dans le domaine professionnel, peut-être aussi dans le domaine professionnel concernant une fille, une meilleure amie ou une sœur. Donc là, ouais, peut-être que je m'arrête au pic. Bon, là, on vous retrouve. Ah, voilà, il y a des gens pas bons. Qui n'en a pas, lol, hein, mes amis balance. Donc, je reprends. Très beau dos de deck, en tous les cas, signature concernant de l'argent, une grosse somme d'argent qui pourrait vous arriver, que ce soit pour vous, mes amis balance, ou votre partenaire masculin, féminin, concernant peut-être de domaine professionnel, pourquoi pas vous associer dans le domaine familial ou amical, vous associer avec une amie, une fille, mais une meilleure amie ou une sœur. En tous les cas, on nous parle bien de vous, mon consultant ou consultante amie balance, mais attention, il y a des gens pas bons autour de vous. Mais qui n'en a pas. Mais là, c'est vraiment des gens pas bons qui essayeraient de vous manipuler. Là, on nous parle bien d'instant présent. Si on continue d'autres decks, on nous parle de blocage qui pourrait se débloquer par la suite. Bon, bah écoutez, c'est plutôt fort intéressant en tous les cas. Très beau d'autres decks. Mais il y a des gens pas bons autour de vous qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas nécessairement méchant. D'accord, vous avez un très très beau dos de deck, vous avez une très très belle coupe et surtout vous avez trois cartes principales hein, dominantes concernant que ce soit la protection de votre papa, la protection de votre partenaire, en tous les cas il y a des nouvelles visuelles avec votre chère étante, pourquoi pas une invitation, quelque chose d'inattendu. Donc tout ce qui est dans le domaine sentimental, il y a des bonnes nouvelles qui pourraient vous arriver pour ce mois de février 2022. Mes amis balance, que vous soyez célibataire,
On verra avec Monsieur l'Oracle des Miroirs et Monsieur l'Oracle de la Sibylle. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort dans le domaine sentimental. Domaine très très fort dans le domaine protection. Peut-être si vous avez perdu votre papa, sachez qu'il vous protège dans tout ce qui est en rapport avec l'inattendu et tout ce qui est en rapport à tout ce qui est invitation. D'accord ? Plutôt intéressant. Et on continue mes amis Balance. Bon, on nous parle d'un 9 de cœur, là, d'un valet trèfle et d'un 8 de pique dans la continuité. Peut-être une invitation dans le domaine sentimental. Il y a de la joie. En tous les cas, il y a quelque chose d'inattendu si je suis dans la continuité. Vraiment quelque chose de bénéfique pour vous qui va vous apporter de la joie, du bonheur pour vous, mes amis Balance. On nous parle aussi, c'est dans le domaine sentimental, d'une rencontre. Hein, on a ce roi de cœur en tous les cas. Alors ça peut être, c'est vrai, hein, votre papa, des nouvelles de votre papa aussi, hein, s'il est toujours sur cette terre, une invitation par rapport à votre papa. Là, si je reviens dans le domaine sentimental, et pourquoi ? Parce que nous avons un valet trèfle suivi d'un 8 de pique derrière. Donc peut-être qu'il y a une belle rencontre ou il y a eu une rencontre, hein, qui va se faire ou qui a été faite. Bon, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'invitation. Mais attention, ce valet trèfle nous dit, avec ce 8 de pique, il faudra faire quand même attention. Alors peut-être pas par attention à vous par rapport à cette relation, mais peut-être que cet homme ou cette femme a des soucis, peut-être un souci de santé, peut-être que souci de santé, une déprime, une dépression, ou pourquoi pas il a un handicap, il y a de l'angoisse, il y a du stress par rapport à cette personne, d'accord ? Un personnage qui peut être plus jeune que vous, si ce n'est pas le cas, du même âge ou un petit peu plus légèrement plus âgé, mais en tous les cas, peut-être un peu ce côté immature, d'accord ? On nous parle sur du retard, faites attention, donc peut-être qu'il y a une femme pas bonne autour de cet homme, sur du retard, qui pourrait faire son retour vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Donc, quoi qu'il arrive, si vous êtes en relation ou vous venez d'être en relation avec une femme ou un homme, sachez que cette personne que vous avez fait la rencontre, on vous dit bien que ce personnage n'est pas bon, qui pourrait avoir justement des nouvelles sur du retard. Peut-être pas tout de suite à un moment de votre relation, mais on vous dit que sur du retard, il pourrait y avoir un contact. On a des nouvelles en tous les cas pour vous, mon consultant, ma consultante Balance, on a quand même des nouvelles concernant d'une femme pas bonne qui se... On va dire qu'il pourrait intervenir peut-être pas au jour d'aujourd'hui, pour ce mois de février, peut-être vers le mois de mars, mais parce qu'on a ce 9 de carreau qui nous dit « sur du retard, il y a une femme pas bonne, qui pourrait vous contacter, qui pourrait vous appeler, qui pourrait vous écrire ?» D'accord ? Soit c'est dans le domaine sentimental, ou soit c'est autour de vous, vous avez une femme vraiment pas bonne autour de vous. Rappelez-vous, on a vu en d'autres decks, il y avait un valet de pique, hein. Alors, nous avons des nouvelles concernant aussi, si on est dans la continuité de votre tirage, on a quand même sur du courrier, sur des écrits, des nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère qui aurait peut-être rencontré une petite copine. En tous les cas, la relation est bonne. On a la réussite pour ce petit jeune couple-là, hein, que ce soit un frère, un meilleur ami ou un fils. Alors, peut-être une jeune, hein, peut-être qu'on va vous présenter ou votre fils, votre meilleur ami ou votre frère va vous dire qu'il a rencontré quelqu'un. Peut-être une jeune femme de couleur cheveux bruns, donc une brune. En tous les cas, il y aura de la réussite. Si ce n'est pas dans le domaine sentimental par rapport à ce valet de cœur, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par courrier, par recommandé d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami qui va vous apporter, en tous les cas, des news concernant tout ce qui est le domaine administratif et ça vous apportera la réussite. Il y aura un nouveau départ avec certitude qui vous amènera des projets. En fin de compte, là, vous avez un magnifique tirage, mes amis Balance, mais le seul petit bémol, c'est que là, on vous dira, je vous dirai ensuite, hein, par rapport à ça, à la dernière lignée, là, on vous dit que là, il y a une situation où peut-être, si c'est d'ordre, on va dire, sentimental, il y aura un petit bémol vis-à-vis de cette future rencontre ou cette rencontre que vous venez de rencontrer. Il y aurait peut-être l'intervention pour ce mois de février ou même plus tard, puisqu'on a la carte du retard, qui pourrait, une femme pourrait intervenir et qui pourrait le perturber ou la perturber. Alors, concernant un homme, ça peut être une ex, ce n'est peut-être pas tout à fait réglé, ces histoires de son passif, ou éventuellement, si c'est côté féminin, faites attention, peut-être une amie à votre chère et tendre, hein, féminine. Donc, faites attention. Là, si je reviens vite fait, mais parce que je dis vite fait parce que c'est un... Vous finissez bien, hein, pour ce mois de février, là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc là, ça peut nous parler d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère qui a rencontré quelqu'un qui vous apporte la réussite. Il y aura un nouveau départ pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère, avec certitude. Il y aura un projet, soit projet de mariage ou de grossesse. Tout simplement.
Pour d'autres, on vous dit que peut-être que vous attendez un courrier administratif qui viendra soit par téléphone ou éventuellement vous annoncera d'abord la nouvelle par téléphone et suivi d'un courrier ou alors un texto ou un email, que vous attendez des papiers administratifs concernant peut-être un membre de votre famille ou amical. En tous les cas, ce papier pour vous est important. Il va vous permettre d'avoir la réussite, de recommencer une nouvelle vie avec certitude et pouvoir enfin amener vos projets à terme. D'accord ? Donc, c'est plutôt pas mal. Vous avez un magnifique tirage. On va faire les associations de cartes. Donc, en âge, j'en ai deux. Celui-là, je ne compte pas. Ensuite, en roi, j'en ai qu'un. En dame, j'en ai qu'une. En valet, j'en ai que deux. En 10, j'en ai qu'un. En 9, je crois que j'en ai 1, 2, ouais. En 8, j'en ai 3, 1, 2, 3, ok. 3, 8, donc c'est mariage, donc niveau, on l'a vu, hein, il n'y a aucun souci. Le valet trèfle est à côté du 9 de cœur, malgré qu'il était à côté d'un 8 de pique, mais on ressort quand même le roi de cœur. Hein. C'est l'homme qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love, ou la femme qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love, mes amis, balance. Donc, on a dit 3-8, donc c'est synonyme de mariage. 4-8, 3-8, on vous demande de prendre soin de vous. Peut-être que vous pouvez, si pour certains, envie d'arrêter de fumer, de faire un régime, vous allez réussir. Donc ça, c'est plutôt génial. Ou toute autre chose, hein. Ça peut être vous occuper de vous. En tous les cas, on vous le recommande. Ça, c'est génial. Et on termine avec les 7. J'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3. Donc, on vous demande de faire attention à tout ce qui est douleur inhabituelle. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des maux de ventre. Mais si c'est inhabituel, pas des douleurs que vous ne connaissez pas, qui sont différentes ou un petit peu plus prolongées, surtout n'hésitez pas à consulter. Bon, on va recouvrir quoi du coup ? Je vais recouvrir les retards, le 8 de pique, la dame de carreau et puis c'est tout. Alors, la dame de carreau, qu'est-ce qu'elle nous veut ? C'est concernant de l'argent. Soit que vous avez une femme qui vous doit de l'argent, en tous les cas, elle vous le donnera. Ça, c'est OK. On nous parle sur du retard, des petits contretemps concernant peut-être un changement de région, un changement de vie, un nouveau départ dans votre vie, peut-être une envie de déménager. Et là, on vous dit de faites attention, vous êtes contrarié par rapport à un petit déplacement. Et là, on vous dit de faire attention à tout ce qui est accident. Faites attention pour ce mois de février, roulez doucement. On est encore dans les périodes d'hiver. D'accord ? Allez, on va faire le sentimental. Mes amis, balance. Allez, tirage général et sentimental pour ce mois de février pour vous, mes amis. Balance. Regardez, il y a du retard, dans tous les cas, qui vous amènera de la joie. Il y a des bonnes nouvelles, hein, mes amis, balance. Allez, pour le sentimental, regardez. Vous allez devoir passer par la loi concernant des projets qui vont se réaliser très très vite. Là, on signe. Hein. Alors là, on avait l'as de pique. Donc tout ce qui est projet, tout ce qui est projet sentimentaux, projet travail, mes amis balance, que du bonheur. Allez, petit tirage du destin. On nous parle d'argent. Hein. Donc là, il n'y a aucun souci. Et c'est dans le domaine sentimental. Peut-être une rencontre avec une personne qui a de l'argent. Tant mieux. Vous n'allez pas vous plaindre. Non, mais... Bon, on va voir si c'est positif ou négatif en d'autres decks, hein, juste derrière. Toujours regarder. Hop, en tous les cas, l'argent est là. Bon, eh, victoire. Je vais pas plus si je vais regarder. Eh, maison. Vous allez acheter une maison, hein, ou vivre ensemble, hein, c'est pas possible. En tous les cas, magnifique. Bon, ouais, je le mets là, vous allez voir. Allez, je fais la petite histoire et après je décortique. On nous parle de verdict. Hein. Alors, peut-être que vous, mes amis balance, vous êtes dans une situation de procédure ou éventuellement, là, on parlerait peut-être de votre partenaire ou futur partenaire qui est en instance de divorce ou qui vient de divorcer. D'accord ? Ou qui, pas nécessairement, hein, si ce n'est pas un divorce, ça peut être en procédure par rapport à son travail ou dans le domaine, dans tout autre domaine, hein, qui lui apportera de l'argent. Peut-être concernant des enfants. Donc là, on serait peut-être plutôt dans une procédure de divorce. On nous parle de réunion. On nous parle de protection, de bouclier. Vous vous protégez, mais on vous protège. Les projets seront protégés. Génial, ça ressort. On vous dit bien que c'est vous, mon consultant, ma consultante balance ou éventuellement votre partenaire masculin, féminin. On vous dit oui et vous avez un magnifique tirage. On nous parle quand même d'instabilité. Vous êtes tracassé, c'est normal, suite à une trahison ou une trahison qui va arriver. On nous parle de cadeaux.
on nous parle de tranquillité. Il y a des bonnes nouvelles qui vont vous arriver, peut-être suite à une trahison. On nous parle de nouvelles de correspondance. Il y aura beaucoup d'écrits, de communication par rapport à l'étranger. Ok. Alors, je vais juste recouvrir la carte de la trahison tout de suite. Donc, on a dit quoi ? Victoire, la maison. Ok. C'est juste ça que je veux recouvrir. Mais vous avez un magnifique tirage. Vous allez devoir prendre la parole. Ok. Je vais chercher. Voilà, l'argent est là. C'est bon, vous voyez ? Peut-être mettre comme ça vous voyez plus la carte de l'argent. Je suis tata, je sais, mais j'aime bien que vous voyez les cartes. Je suis chiante, hein ? Non, c'est pour vous, je le fais en plus. Donc, vous inquiétez pas, celle-là, je la mets comme ça, mais parce que je l'ai rajoutée à la carte de la trahison. Alors, mes amis balance, donc vous allez bien rencontrer une personne. Cette personne-là, vous allez rencontrer soit qu'elle est en procédure de divorce ou elle vient de divorcer, en tous les cas, mais il y aurait une problématique avec un enfant. Donc, peut-être avec son ex, ex-femme, ex, je vous ai dit hein, tout à l'heure, la dame de carreau, il y a quelque chose où ça va être mouvementé. Alors, peut-être pas tout de suite. Là, je n'ai pas la carte du temps, je n'ai pas la carte du retard, donc tant mieux. Mais dans le jeu 32, on disait ça. On verra avec Monsieur l'oracle de la Sibylle ce que ça donne. Donc là, il y a un verdict. C'est tranché, c'est acté, on n'en parle plus par rapport à un enfant. Ok, on nous parle de réunion. Donc, vous allez vous réunir en tous les cas. Vous serez très soutenu. Votre relation est très soutenue. Pourquoi ? Parce qu'on a la carte du bouclier. Vous êtes très protégé. Protection concernant les projets que vous allez faire, mes amis célibataires. Et là, on vous dit bien que c'est pour vous, avec cet homme ou cette femme que vous avez rencontré. On vous dit oui. Donc, vous, c'est très bien. Par contre, il y a une instabilité par rapport à une trahison. Vous allez devoir prendre la parole. Donc, peut-être que vous allez ressentir les choses. Peut-être que vous allez ressentir soit l'ex-conjoint de la personne que vous venez de rencontrer qui essaye de, un petit peu d'arnaquer votre futur conjoint, hein, mes amis célibataires. Donc, on vous dit de prendre la parole. Et en prenant la parole, c'est vous qui allez contrôler votre relation. Donc, tout se passe bien. D'accord ? On nous parle que vous serez tranquille une fois que vous allez pris la parole et ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Les choses vont s'apaiser. On vous dit qu'il y aura beaucoup de communication avec cette personne. Peut-être que vous allez la rencontrer soit sur les réseaux sociaux, sites de rencontre ou, si ce n'est pas le cas, peut-être éventuellement, vous allez avoir beaucoup de correspondances, beaucoup d'écrits, beaucoup de textos, beaucoup d'échanges. En tous les cas, peut-être que cette personne habite loin. On nous parle de l'étranger. D'accord ? Ou alors, peut-être une envie de partir ensemble par la suite quand vous allez le rencontrer ou la rencontrer. Bon, en tous les cas, c'est magnifique. On nous parle pour vous, pareillement, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, mes amis balance. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on vous dit que là, il y a une situation de verdict, de tranché, de acté. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et là, on vous dit que ça concerne un enfant. Donc ça, ça serait par rapport à cette personne. Ou alors là, on nous parle de là, mais ça peut être peut-être pas ici pour ce mois de février. Vous pouvez décaler, hein, bien évidemment. Mais là, c'est vrai, je le fais pour le mois de février. Donc, pareillement, pour les mêmes, pareil, hein, pour les célibataires. Donc là, il y a une situation de divorce, de verdict. Ça y est, c'est acté, c'est tranché. Mais il y a une situation qui pourrait revenir vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis de cette trahison. Faites attention. Alex, il y a une situation d'enfant. Ça peut être aussi l'enfant qui pourrait trahir. Faites attention aussi. Dans les cas, ça serait plutôt l'enfant ou les enfants ou un des enfants de la personne que vous venez de rencontrer. Et, ou alors la maman qui essaye de faire du bourrage de crâne ou le papa, vice-versa. On nous parle de réunion, on se réunit, on en discute. En tous les cas, votre relation à vous, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, elle est protégée. Enfin, ça va être pour toutes les balances. On nous parle de projets qui sont protégés également. On nous parle qu'il est là, elle est là, vous êtes là, on vous dit oui. Il y a une situation d'instabilité parce que vous allez sentir le truc. Vous allez sentir la trahison, elle n'est peut-être pas encore faite. Elle va peut-être se faire, mais en tous les cas, si elle ne se fait pas ou elle va se faire, vous allez direct bloquer le truc. Vous allez devoir prendre la parole et vous allez prendre la parole. Ça sera perçu comme un cadeau du ciel puisque les choses, en prenant la parole, ça va se calmer puisque vous allez ressortir la carte, vous avez ressorti la carte de la tranquillité. Donc, zen, tranquillou, une fois que toutes les choses se sont apaisées. En tous les cas, il y aura beaucoup de communication avec cette personne. Peut-être qu'elle est loin. Donc, soit site de rencontre, réseaux sociaux ou carrément changement de région total vis-à-vis de la personne ou de pays. Ça pourrait se faire aussi. Mais en tous les cas, vous êtes protégé et on vous dit oui avec cette personne-là. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple, mes amis balance, c'est que tout va bien. On nous parle de verdict. Peut-être que votre cher étant, votre mari ou femme, peut-être en procédure. Peut-être qu'il y a un enfant, peut-être qui est en procédure aussi. Donc, toutes les choses se sont calmées, apaisées. Il y a peut-être une trahison. Peut-être que vous avez mis, ou alors c'est votre mari, votre femme qui a des soucis avec un enfant, ou alors c'est votre enfant à tous les deux, hein.
qui a des soucis de justice et vous allez devoir mettre ça au calme, au propre. Et on vous dit que faites attention, soit un enfant, soit une situation où il y a eu une trahison, où il va y avoir une trahison, vous allez devoir, vous mes amis balance, intervenir. Une fois que vous allez intervenir, ça sera, les choses seront tranquilles, hein. Cette prise de parole sera perçue comme un cadeau du ciel et on vous dit que grâce à cette prise de parole que vous allez faire, vous serez tranquille et il y aura des échanges, de la correspondance avec votre chère et tendre mari ou femme. Ensuite, mes amis balance qui veulent divorcer, on a le verdict, ça c'est sûr. Par contre, faites attention, il y aura une discussion, donc ça c'est sûr, c'est acté, c'est terminé. Il y aura une histoire d'enfant, peut-être que votre ex-mari, votre ex-femme voudra revenir à la charge. Faites attention, il y a de la trahison, on va peut-être essayer de vous la faire à l'envers. Vous allez devoir prendre la parole et ça c'est ok. Une fois que vous avez pris la parole, les choses vont se remettre en place. Vous allez avoir gain de cause, vous serez tranquille. Pourquoi pas, peut-être que vous allez faire, vous quitter votre mari, votre femme par rapport à une nouvelle relation, qui les projets seront protégés, il est là et elle est là, et pourquoi pas partir à l'étranger par la suite. Et donc, pour celles et ceux, j'allais dire on termine maintenant, pour celles et ceux qui attendent qui sont en triangulaire, on nous parle que la personne divorcera avec sa compagne ou son mari ou sa femme avec actuelle. Donc, les choses vont se faire. En tous les cas, ça peut se faire rapidement. Il y aura une problématique d'enfant, hein. Faites attention, mes amis triangulaires balance, parce que la femme, peut-être l'ex-femme ou l'ex-mari, essaiera d'embêter votre partenaire. Donc, vous allez devoir prendre la parole, de vous assumer et d'intervenir, de protéger. Quoi qu'il arrive, votre relation est protégée, hein. Vous serez, une fois que vous allez intervenir, vous avez pris cette prise de parole, ça sera perçu comme vraiment un cadeau du ciel et vous serez tranquille. Et il y aura beaucoup d'échanges. Alors peut-être que la personne avec qui vous êtes en triangulaire habite loin, je ne sais pas, ou dans une autre région, en tous les cas, ou c'est vous qui déciderez de partir tous les deux. En tous les cas, il y a beaucoup d'échanges, de communication. Là, on a quand même la carte de la réunion et la correspondance. Et on termine, bien sûr, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, on voit bien que c'est acté, c'est fini, il y a le verdict. Donc voilà, on voit bien que peut-être que dans le passé, vous avez été ensemble, vous avez été mariés ou vous avez été paxés, je ne sais pas. En tous les cas, là, c'est terminé. On voit bien que le passé, c'est terminé. Mais attention, il y a peut-être quelque chose qui pourrait revenir vers vous, lui ou elle. Il est là, elle est là. On remet ça sur le tapis, hein. Vous êtes protégés. Mais attention, il y a de la trahison dans l'air. Vous allez devoir prendre la parole parce qu'il y en a peut-être qui n'accepteront pas ce retour, mes amis balance. Peut-être l'intervention d'un enfant qui pourrait vous la faire à l'envers, que ce soit de votre côté ou du côté de votre ex qui reviendra vers vous, ex masculin ou féminin. En tous les cas, en prenant la parole, les choses vont s'apaiser. Les choses vont se mettre au plat, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on vous dit qu'il y aura beaucoup de communication. Peut-être que votre ex habite loin, je ne sais pas, dans une autre région, ou c'est vous qui peut-être devra ou devrez, peut-être vous deux, par exemple, hein, sûrement, bien évidemment, quitter la région. Parce qu'il y aura peut-être des gens qui vont s'en mêler. Bon, allez, mes amis, balance. Je rajoute monsieur l'oracle de la Sibylle. Ça me fait combien? 22. Oups, j'en ai deux. On a une femme méchante, hein. Je vous ai dit, hein, vous avez la dame de carreau, vous. Hein. Et on vous dit que cette femme-là essaye de se renseigner sur vous. Hein. Elle pourrait même aller voir une voyante, une médium, pour se renseigner pour vous. Mm-hmm. Bon, là, on a la consultante, le consultant. On a un 3 de cœur. Donc, le 3 de cœur, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est que vous avez la chance en amour. Vous allez entreprendre des choses. Ça peut être une réconciliation aussi, le retour d'un ex. Hein. Mais attention, il y a une femme pas bonne, hein, qui tourne. Hein. Allez. Mes amis balance pour ce mois de février. Vous voyez, on va essayer de vous piéger. Il y a quelqu'un, il y a un flatteur. Mais attention, il y a un piège. On essaye de vous surveiller là. Il y a un 3 de pique. Le 3 de pique, c'est les choses retardées, repoussées. Donc, vous allez retrouver une personne du passé, pourquoi pas, avec ce 3 de pique. Mais faites attention, il y en a qui vous surveillent. Hein. C'est quoi derrière? Ouais, des gens pas bons, malades dans leur tête. On a la maladie. Et là, on a une personne qui vous flatte. Hein. Mm-hmm. Allez, 3 cartes, monsieur l'oracle de la Sibylle. Hé hé. On a des ennemis, hein, mes amis balance. On nous parle de partie de campagne avec la personne, mais vous êtes contrarié ou il y a des gens qui essayent de vous contrarier, de vous retarder les choses. Là, nous avons un peu d'argent, nous avons un 7 de trèfle. Donc, peut-être que vous allez recevoir un petit peu d'argent par rapport à cet homme. Alors, ça serait surtout, mes amis balance, peut-être que cet homme que vous avez rencontré ou cette femme n'a pas trop d'économie. Alors, peut-être que vous allez l'aider, peut-être financièrement. On va recouvrir cette carte-là.
ou alors cet homme ou cette femme, on lui doit de l'argent. On a des ennemis, hein. Vous voyez, cet homme ou cette femme que vous avez rencontré ou venez de rencontrer a des ennemis, hein, je vous ai dit. Hein. On a un 6 de trèfle. Le 6 de trèfle, on vous dit vous n'êtes pas concentré sur l'avenir et vous allez devoir résoudre les soucis qui sont retardés ou qui vont être retardés. Donc là, on a bien des gens et là, vous voyez, on a une perte d'argent. Donc là, pour moi, je pense que vous avez rencontré ou vous venez de rencontrer un homme ou une femme qui est peut-être dans une situation de divorce ou qui a un divorce difficile. Le divorce, peut-être il est acté, on a vu le verdict, mais on vous dit bien que ce n'est pas fini. L'autre va tout faire pour vous casser le moral, voyez, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Je recouvre. Vous voyez, on a des caquets. On a des gens pas bons autour de cet homme ou de cette femme. On a des joueurs. Vous voyez, on joue avec lui, on s'amuse. C'est elle, hein, voyez, chagrin, larmes. Donc là, on a bien une femme ou un homme qui essaye de récupérer votre amoureux masculin ou féminin, mes amis. Balance. Bon, écoutez, ouais, j'ai toujours cette femme méchante hein, d'autres decks, là. C'est hallucinant. Allez, on termine avec Monsieur Papus. Alors, vous me direz si avec l'oracle de la civile, ça vous a plu. Mais ça va, vous voyez, ça prend pas trop de temps. Je suis à 25 minutes. Avec Monsieur Papu, ça fera 30 minutes. Donc, mais bon, vous avez un beau tirage hein, quand même. Allez, tirage général et sentimental. Là, on fait les deux pour ce mois de février 2022. Pour vous, mes amis, balance. On nous parle de la lune. Vous avez des gens pas bons autour de vous. Et on nous parle de faux projets où vous avez peur. On a un 5 de coupe à l'envers. Vous voyez, hein, elles sont à l'envers. Le 5 de coupe, quand il est à l'endroit... on nous parle de regrets, de déception, de tristesse, où vous êtes négative ou négatif. Et là, on vous dit comme le 5 de coupe est à l'envers, donc tout ce qui était regrets, déception, hop, aux oubliettes. Allez-y. Et là, on nous parle de la lune. Alors, on nous parle d'un signe du mois de juillet et on nous parle d'un signe du mois de Verseau, du Capricorne, hein, du 20 janvier. Donc, on vous dit de faire attention peut-être à des signes Verseau ou du Capricorne, à tout ce qui est mis caché, on pourrait nous parler de gris-gris pour certains ou certaines habits balance. Faites attention, j'ai un signe de la balance derrière. Donc faites attention à des gens pas bons autour de vous. Donc je parle pour certaines et certaines personnes, enfin certains et certaines personnes qui sont face à ce genre de problématique de gris-gris. Parce que ça existe, il ne faut pas l'oublier. Et oui, la sorcellerie existe malheureusement dans ce monde. Alors vous me direz, vous n'avez pas besoin de faire de gris-gris pour faire du mal. Hein. Vous avez juste à critiquer. Quand une personne critique, elle a juste à ouvrir sa bouche. Une personne qui critique ou qui dit du mal d'une autre personne, c'est faire du mal, hein. Tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Mais c'est vrai que ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Puisque avant, nous les voyantes, on nous appelait les sorcières. Hein. Vous avez toujours cette image. Bon, c'est vrai qu'on a toujours cette image de chaudron magique avec la sorcière, avec son chapeau et son chaudron. Et à mettre des choses dedans, voilà. Mais ça existe encore, malheureusement, et ça a toujours existé dans des pays. Et oui, donc il ne faut pas se leurrer, bien évidemment. On nous parle de réconciliation, de jugement. C'est une arcane majeure, hein. Il y a peut-être eu de la dualité, si c'est dans le domaine sentimental, là, avec cette carte de jugement. Alors, la carte du jugement, dans le tarot de Marseille, hein, avec Monsieur aussi Papus, hein, parce qu'il est représentatif du tarot de Marseille, il nous parle, le jugement nous parle de discussions qui vont s'arranger, ça peut nous parler d'une réconciliation, hein, d'accord. Et on a cette dame de bâton derrière, donc ça peut vous représenter. La dame de bâton, elle a la force, elle est chaleureuse, elle nous apporte la stabilité, la protection, on va dire, elle est aimante, elle est intuitive, donc ça peut, elle peut vous représenter. Nous avons le pape qui est à l'endroit, donc ça c'est plutôt génial. Le pape c'est la bienveillance, la protection. Ça peut être une personne défunte de là-haut qui vous protège, qui vous apporte des bons conseils ou des réponses. Ça peut être une personne aussi sur terre hein, qui vous apporte du bonheur. Ça peut être un signe du bélier ou du taureau. Bélier, pardon, ou du poisson. On nous parle d'un essai d'égard. Alors si c'est dans le domaine sentimental, peut-être qu'un homme ou une femme, peut-être un signe du bélier. Là j'ai aussi un signe du mois de septembre. Un effet égard, j'ai un 3 d'épée. À l'envers, le 3 d'épée à l'envers, lui, nous parlerait... Alors, quand il est à l'endroit, il nous parle de cœur brisé, de tristesse, de trahison, de douleur. Là, on vous dit, c'est tout le contraire. Hein. Là, vous n'allez pas avoir le cœur brisé avec cette personne qui veut s'engager avec vous. Hein. Ça peut être une réconciliation. Et on vous dit, faites attention. Alors, faites attention, oui et non. Bon, on a quand même le pendu qui est à l'endroit, même si le bonhomme est à l'envers. On nous parle d'un signe de la balance, donc c'est votre signe. Hein. Mais ça peut être aussi un signe que vous connaissez ou un autre signe qui est né au mois de septembre. Et le pendu, lui, quand il est à l'endroit, hein, il nous parle d'attente. Alors que ce soit dans le professionnel, on vous dit de faire attention, c'est une période difficile. Donc là, je vais juste recouvrir le pendu parce que les deux autres cartes... Donc là, peut-être si c'est dans le domaine sentimental,
Il y a des craintes, vous avez peur. Vous êtes dans l'attente. Ça peut être une période pour vous difficile à choisir. Est-ce que j'y vais, j'y vais pas? Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, tout simplement. Et là, on nous parle de gains, de loterie. Donc là, peut-être une attente concernant aussi, vous avez peur concernant le financier, la peur de manquer. C'est tout à fait logique aussi. On a un 10 de denier, pourtant le 10 de denier, bon certes, il est à l'envers. Quand il est à l'endroit, on nous parle d'abondance absolue, d'héritage, de maison, de richesse, d'opportunité, d'achat. Donc là, peut-être que vous avez peur de vous engager avec cette personne dans sa maison, future maison, acheter un achat, pourquoi pas. Mais ça peut être dans le domaine professionnel, peut-être une envie de vous lancer, vous avez peur de manquer de l'argent, mais alors que non, hein, vous avez la loterie. Donc là, c'est plutôt génial. La loterie, c'est ben, le loto, hein, c'est l'argent qui arrive. Donc tant mieux. Et là, on nous parle de déclaration d'amour. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal, mes amis Balance. Vous me direz en commentaire pour ce mois de février si ça vous a parlé ou si ça va vous parler, tout simplement. Donc, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve donc le mois prochain, ben, le mois de mars. Hein. Et oui, ça sera les beaux jours qui vont arriver. Ça sera génial. Ça passe trop vite. Incroyable. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore. Et puis, prenez bien soin de vous, protégez-vous. Et faites attention, hein, mes amis Balance, parce que j'ai vu hein, 8 de carreau, 8 de pique. Attention, je crois, à la route. Non ? Je crois, hein, de faire attention. En fait, il me semble que je l'ai dit, hein, ça, hein, avec Monsieur Jeu 32. Donc, faites attention quand même. OK ? Gros bisous, je vous aime. Et puis, je vous dis au mois prochain. Gros bisous. Bye bye.